Ah, salut! Bah, tu vois, je déjeune avec toi ce matin. Ah, on est ce matin, c'est toi, je t'explique un petit peu parce que on est déjà l'après-midi. Parce que j'ai perdu ma valise. Qu'est-ce que tu veux? Et puis là, si tu veux, on prépare un événement pour demain. Alors, pour toi, ce sera la semaine d'avant. Je t'explique. Parce que demain, nous, moi, le temps que je rentre après que je fasse le montage, tout ça, donc tu te doutes bien que c'est pas là, hein, réfléchir un peu ton calendrier. T'as le calendrier de l'avant, t'as dû bouffer tous les bonbons. Ah, voilà. Donc voilà. Alors là, donc je te présente, c'est Patrick. Patrick de Saint-Barth. Voilà, de Saint-Barthélemy. Bonjour à tous. Voilà. Et on n'a pas. Et donc Patrick, lui, il joue de la guitare sur la tombe à Johnny Hallyday. Vous l'avez sur live, mais il n'est pas là. Et donc il est venu parce que demain on va jouer à la cathédrale d'Henri. Et tout ça, c'est organisé par l'association du Loiret, du 45, donc ça, c'est la France. Et c'est Annie qui est là, Annie Lep, qui s'occupe de ça. Tu vas dire bonjour, tu fais coucou, c'est ça? Voilà, puis tu dis un petit peu ce que tu fais. Vas-y, vas-y, tu vas perdre un peu de temps. Eh bien oui, justement, on organise un hommage à Johnny Hallyday pour les 5 ans de son départ, avec notre association Appel 45. Et nous avons invité pour une partie musicale en guitare acoustique Didier Métillier et Patrick qui nous vient directement de Saint-Barth. Voilà. Voilà. Eh ben c'est bien, merci Annie. Et puis là, nous avons Florence, avec un FEF, un feu. Je te dis ça parce que je mettais les traductions en anglais, tu sais, comme j'ai l'habitude. Tu vois, ça s'écrit pareil. Je te demande un peu, t'es calé à l'école. Voilà, donc Florence, Eric. Bonjour. Voilà, et pareil, donc ils sont ensemble. Moi, je les mets en séparation, parce que sinon. Mais je vais te dire un truc. Alors, Annie, va aller chercher, parce que là, par terre, il y a un petit paquet qui est là, par terre. Et je vais te dire un truc. Parce que toi ça, tu ne l'aurais jamais. Jamais tu l'aurais. Toi, c'est un truc, parce qu'ils sont venus, et en fait, ça, c'est des grands fans de Jenny. Quoi. Je t'explique. Et puis derrière moi, il y a Nathalie, là, qui est là, hein, tu les connais. Hein. Non, tu les connais pas. Non, bah tu les connais maintenant, tu vois. Et puis mon titi qui s'appelle Patrick aussi. Et lui, il n'est pas de Saint-Barth, hein, il est d'ici. Voilà, tu vois, il est là, c'est beau, hein, t'es lui. Eh, il y a le soleil. Il y a le soleil, ah, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a le soleil. Voilà. Et donc, ça c'est une surprise, parce qu'hier, avec Annie, j'étais à la radio, et on a fait une émission pendant 2 heures. Tu vois, t'avais qu'à écouter. Mais je te le remettrai avec une lumière. Et puis en fait, puisque moi je suis un gars, tu sais, je demande toujours des trucs, machin, tout ça. Et donc, voilà ce qu'on m'a apporté. Et ça, toi, tu peux raconter, tu vois. Et ben ça, tu vois, ça, ce petit truc. Et ben ici, il y a marqué Sable 2021, Saint-Barth. Et ça vient très très proche de la plage de Lorient à Saint-Barthélemy. Voilà, je te dirai pas où il l'a pris, mais ça, c'est du sable. Qui n'est pas très très loin de la petite jeune qui a. Et bien ça, c'est des trucs qui font super plaisir. Mais tu viens pas me le chourer chez moi parce que je te pète ta gueule. Voilà. Oui. Et donc, Patrick, il fait la guitare là, pour les gens qui vont à Saint-Barth pour se recueillir, tu vois, sur la tombe de Johnny. Et puis, il joue de la guitare et il est tes voisins. Il est toujours voisin, hein. Un petit peu plus loin, mais c'est la maison, un peu jumelée. C'est pas jumelé, hein. Non, c'est une maison. Voilà, t'es un vol d'oiseau. Mais il n'y a pas d'oiseau là-bas. Il m'a dit qu'il n'y a pas d'animaux, il n'y a rien. Et bien, il était voisin, il tue. Voilà, et tout ça, c'est un cercle. Et donc, demain, on sera à la cathédrale d'Orléans. Donc, je te laisse déjeuner. Et puis, vas-y, finis en beauté un petit peu plus fort, parce qu'ils n'entendent pas. Et voilà. Et bien, le pénitencier, nous sommes prisonniers de Dieu. Maintenant, voilà. Je te fais des bisous, je te dis à bientôt, salut, et je te retrouve en Espagne.